Ah voilà, c'est un vrai casting, regardez-moi ça. Bravo. Juste au milieu, à la lumière. Il est où le poste avec les lunettes de soleil et avec le cigare? C'est lui. Là, dans ce film qu'on va voir, il y avait de tout. Il y avait les effets spéciaux, il y avait le scénario, il y avait la direction des acteurs, il y avait un jeu, il y avait une cohérence, il y avait un début, une fin rigolote à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Tout ça en une minute, et les chorégraphies de combat, évidemment. Et on a été assez bluffés, hein, Nils. Ben, merci. Ben, en fait, je voulais d'abord remercier ma petite sœur qui est là-bas. Et surtout, mes amis, sans quoi je n'aurais pas pu faire ce film-là, qui a été réalisé justement à la dernière minute. C'est entre-temps que je suis tombé malade. Et donc, ce film a failli ne pas se tourner, en fait. Et juste, je vais vous dire un petit mot. D'accord. Donc, en fait, vous avez vu un peu un petit tac là-dessus. Mais on est déjà en train de bosser sur quelque chose dès l'année prochaine. Ah, ça, un trailer va sortir dans le courant de février. Je voulais dire, surtout le petit événement, c'est qu'enfin, un genre de miniscope, il y a un événement un peu particulier qui ne s'est jamais encore fait ici sur Polynésie, qui va regrouper, on va dire, deux experts reconnus en termes de self-défense. Dont Teta qui est justement haut gradé en Kamaga. Et Alain en Kaki avec le self-défense. Donc je pense que. Bon, là je suis un peu fatigué parce qu'en fait, en ce moment, on est en train de concevoir justement cet événement. Donc ça va certainement se visualiser via un trailer et peut-être quelque chose. On va regarder tout de suite le film.